Bon, je dors. Avec la violente. Je pourrais perdre le père, je pense pas que je vais faire ça. Parce que moi j'ai mes cours à lire et tout. Je prends sur moi, j'essaye de l'aborder autrement. Je l'amène, j'espère qu'il va le ramener à ta cause. C'était pas facile. Pas du tout. D'avoir eu à revivre encore tout ça. Franchement, ouf. Ah. Tu sais qu'il y a souvent le deuil là, quand on est encore dans les préparatifs et tout. Parfois ça s'apaise un peu, mais quand tu arrives, tu as entendu les témoignages. Il te dit. Waouh. Une si bonne personne. Si tôt. Si tôt comme ça. La vie, c'est ça. Ah. Franchement, c'est rien du tout dépassé. Oh. Mais sinon, c'est comment tu as les nouvelles des gens qu'on a pris pour un peu tabasser et bouder là? Pas vraiment. Hein. Attends, je viens d'en recevoir un message à ta gueule de moi. Regarde. Oh mon dieu, ils l'ont mis dans un sale état. C'est grave. Ils n'ont pas tué non. Ils n'ont pas tué non. On s'en fout. Même si regarde. Oh mon dieu. On va pas dire de tuer quelqu'un. Il va refuser. Non, parce que s'ils l'ont tué, c'est que nous sommes les meurtriers. Non, nous ne sommes pas cons. Non, ils pensent qu'ils sont bons. Ils n'est pas. Exactement. On l'a seulement bien. On l'a tabassé. Mais oh, on a battu notre famille. On a battu notre famille. Parce que franchement, il va encore voir comment on va faire ça aux femmes. On peut être heureux de voir quelqu'un malheureux comme ça. Non, c'est on est comme ça. C'est vrai que ça me plaît quand même. Mais ça me plaît. On doit pas boire un truc. On doit boire vraiment. Attends. Dans ce cas, on dit d'abord quoi? Rifo! Apporte alors un truc. Apporte un truc là. Franchement. Waouh! Je t'ai apporté ton thé comme tu aimes. Aïe, merci. Bah, elle est toute mignonne là. C'est que ce n'est pas ta soirée aujourd'hui. Je n'ai pas dit le contraire. Mmh. En fait, je m'apprêtais même à dormir, mais je voulais un peu parler avec toi. Quoi. Ok, dis-moi. Il y a quoi? Tu sais que je m'ennuie beaucoup à rester à la maison comme ça. Tu t'ennuies? Avec tout ce qu'il y a à faire ici. C'est pas ça en fait. Récemment, j'étais au deuil de mon ami que tu connais là. Mm-hmm. Et tous mes camarades de travail. Et moi, je suis là et comme ça, je fais rien en fait. Je voulais un peu m'occuper, faire un truc. Travailler. Que quoi? Tu sais déjà aussi mes projets. Avant de. Tu sais, attends. Calme-toi. Tu sais pourquoi tu es ici? Tu as vu comment ça marche avec Etienne chez moi. Tu t'es posé la question un jour pour te savoir pourquoi tu es ici. Hein? Comment? Quand je t'ai dragué ou bien quand je voulais que tu sois ma femme, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais tu voulais que je sois ta deuxième femme. Voilà. Je voulais que tu sois ma deuxième femme et que tu prennes soin de moi. Oui ou non? Oui. Ok. Mais je t'ai dit, écoute-moi, laisse-moi parler. Ouais. Je t'ai dit que tu n'as besoin de travailler. Je prends soin de toi financièrement. Mmh.
Si tu as n'importe quel problème, pose-les-moi. Je te résous ça. Une femme mariée n'a pas besoin de travailler quand son mari peut s'occuper d'elle. Non, moi, tu me suis? Avec tu n'es pas d'accord? Ça veut dire quoi? Tu sais pourquoi tu es ici? C'est parce que tiens, tu as un moment à voulu aussi travailler. Je lui ai accordé ça. Je le lui ai accordé. Mais c'est fini ça. Si tu es, c'est pour prendre soin de moi, de nos enfants et des enfants que tu feras pour moi. Tu me suis? Enlève ça de ta tête très vite, cette affaire de travail là. Si tu ne veux pas qu'on ait des problèmes. Si tu ne veux pas qu'on ait des problèmes, enlève ça de ta tête très vite. Parce que les conséquences sont très graves. Je ne m'amuse pas. Moi aussi j'ai mes projets. Donc il veut rester ici comme peu importe les projets que tu peux avoir, je peux les financer. Tu me suis? C'est de quel projet tu parles? Tu veux construire au village, tu fais quoi? Ça va me dépasser? Non, moi je m'ennuie. Moi je veux travailler. Les enfants sont ici, des fois tu ne les prends pas. Il y a des fois tu ne veux pas manger, des fois tu ne rentres pas à la maison et tu dis que tu t'ennuies. Travaille déjà, fais déjà ça. Si tu vois qu'après ça tu as le temps de faire autre chose, on c'est pourra... différent. C'est un sujet qui est court. Tu ne travailles pas. Un point. Tu as compris? Tu as toujours à dire non. Je veux couvrir ta bouche là. Et dis-moi ce qui ne va pas. Dans tes yeux, je peux tout voir. Ne me mens pas. Oublie tes soucis. Hé, Bodé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Enlève-toi. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as ah. Oh mon Dieu. Wendy. Qu'est-ce qui s'est passé, Bodé? Tu m'as appelé et je n'ai rien compris au téléphone. Je sens plus. Lève-toi, c'est quoi? Aïe, Bodé, arrête ma main, allons. Oh mon Dieu. J'ai été copieusement bastonné. Wow, je n'en reviens pas. Et en rentrant de mes marches. Vas-y, calme-toi. Est-ce que tu connaissais ces gens? Tu attends quelqu'un? J'attends personne, Kwedi, j'ai peur. Est-ce que tu connaissais ces gens? Kwedi, je ne les connaissais pas. Comment je devais les connaître, Kwedi? Tu as remarqué des voix, tu as... Qu'est-ce qui s'est passé avec les résultats tu es? Mets ta main dans ma poche. Ah, et puis Fotso. Ça doit être les amis de Fotso qui ont fait ça. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais pas, peut-être ta soeur, je sais pas. Je sais vraiment pas. J'ai aucune idée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à ta recherche. Il y a des gens qui t'en veulent ou bien qui nous en veulent pour la mort de Fotso. Mais ça ne peut pas être Endal. Endal ne peut pas faire ça. Mais c'est qui tu attends? J'attends personne, Kwedi, ferme la porte à clé, j'ai peur. Kwedi, ferme la porte, j'ai peur. Ça va, calme-toi. Kwedi, j'ai pas la clé. Ebote, calme-toi. Tu es parti à l'hôpital, qui t'a fait ça? Qui t'a bandé? Tu es allé à l'hôpital? Mon voisin. Mais pourquoi tu n'es pas parti à l'hôpital? Regarde dans quel état tu es. Kwedi, écoute, je ne pouvais pas partir à l'hôpital. Kwedi, réfléchis un peu deux secondes. Imagine si je partais à l'hôpital. Il devait chercher à faire des enquêtes, il devait me poser des questions, qui a fait quoi, qui a fait ça. Et imagine si ça remontait jusqu'à Fotso et on se retrouvait encore dans les problèmes. J'ai préféré rentrer à la maison, j'ai appelé mon voisin, il est infirmier, il m'a aidé à faire ses premiers bandages. Mais ça c'est grave. Mais reste avec moi, s'il te plaît. Ça c'est grave, Bodé, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée, Bodé. Je ne sais pas quoi dire. Bodé, reste avec moi, s'il te plaît. Je
Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Ok, comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Je suis là, je suis super bien. Ok, je n'étais pas au bureau. Je suppose que tu as remarqué, je n'étais pas au bureau. Oui, j'ai remarqué, tu n'étais pas là. Voilà, enfin, je me sentais, je n'étais pas trop dans mon assiette ce matin et du coup, bon, voilà, j'ai travaillé en télétravail. Mais bon, okay. C'est pas pour ça que je t'appelle. Et du coup, ça va mieux? Oui, ça va. Ça va. Là, ça va, c'est bon. Ok. Je disais, c'est pas pour ça que je t'appelais. Je vais t'inviter chez moi. Du coup, tu es libre ce soir? Ce soir, aux environs de quelle heure? 19h, 20h. Ok, 19h. Ok, je passerai. D'accord. À tout à l'heure, okay. Alors. Ok, tu connais. En retour, j'ai tout donné. J'ai foncé sans regarder. Cet amour m'a condamné. Je peux plus m'en séparer. Elle occupe toutes mes pensées. Maintenant, je suis accroché. Bébé, ne pars pas. Bébé, ne pars pas. Bonjour, ciao, ciao. Wow. Tu es prête? Ouais, ouais. Tu es matinale aujourd'hui. Hein? Bien sûr, un peu ferme. N'est-ce pas? Super. C'est où est ta dit? Tu connais? En fait, aujourd'hui, il veut manger le moko bombitalé. Hein, maman? C'est encore quoi comme ça? Makabo avait le ndolé, non? Je n'ai pas connu ça. Toi et ton Siwe, là, vous la me dépassez. Comment ça? Vous avez de ces choses, de ces phases, des masses. Quelle phase? Hein, maman? Tu dois avoir connu tout ça quand tu étais plus jeune au village. Quel village? Comment ça? Moi, quand j'étais au village. On ne croyait pas moi l'autre là. Tu crois pas quoi? Donc, t'as dit que même le bateau, tu ne connais pas. Non. Et pourtant, dans la maison, si on a besoin de tout ça, hein? On doit vivre comme au village. Donc, moi, même le bateau, je dois parler ceci. Bien sûr. Hé! Hey. En tout cas, c'est pas un débat. Fais oui, maman, je me disais, mais laisse d'abord l'autre là. Quand. Tu as fait comment pour travailler, non, trouver le boulot et tout? Déjà? Ouais. Waouh! À peine arrivé, tu veux déjà travailler. Eh, toi, tu ne travailles pas. Même si je travaille, j'ai quand même demandé l'accord de si oui. Moi, je ne veux pas, moi, les problèmes. Non, non, je ne peux pas, moi, te conseiller quelque chose. Il faut parler avec Siwe. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à causer avec lui. Moi, j'ai essayé de parler. Il fait comme si. Moi, je peux faire que. Dis-moi d'abord ce qu'il faut faire. S'il y a même. Je peux faire aussi, non. Tiga, dans ce cas, parle avec lui, c'est mieux. Il parle avec lui comment? Non, 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 je ne veux pas les problèmes. Il va seulement trouver le travail après. Hey, il va non, 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 s'il découvre que moi, je t'ai conseillé de travailler, j'aurai les problèmes dans la maison aussi. Comment? Et tu vas lui dire que tu m'as conseillé. C'est pas entre nous. Pourquoi tu t'entêtes comme ça? Ma tête comment? Calme-toi. Donc tu es fier de me voir rester comme ça à la maison, ça n'a rien fait. Non, ça n'a rien à y voir. Mais au départ, oh, vous avez les clauses, non? Les clauses, c'est quoi? C'était maman, dit pardon, que tu devais ouais, rester à la maison. Dis-moi ce que vous faites. Tu devais rester à la maison, t'occuper des toi gens. Aussi, reste, je parle d'abord. Après, tu vas aussi venir. Après, eh oui, c'est pour ça que j'ai accepté une coépouse. Tu crois que j'ai accepté une coépouse, tu crois? Parce que moi, je voulais travailler. La bonne chose. Moi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai ça avec lui. J'ai déposé la liste des courses là-bas sur la table. Oui, c'est ton problème. J'ai déposé la liste des courses sur la table. Après, tu peux faire les courses. D'accord? J'ai compris. Mais moi, il va seulement trouver le travail là. Même si tu me dis pas, quelqu'un d'autre va me dire ça. Ouais, dégage. Calme-toi. Donc, tu peux m'aider. Là, il est assez. Donc, ça te fait rire. Tu te moques toi de moi comme ça. Je savais pas où elle, mais depuis que je t'ai retrouvé, ma vie n'est plus comme avant. Les jaloux. Ça me semble que je suis pas. C'est la Rachidi là, avec la patate. Pardon. J'ai faim. Ce sont des narines qui ont. Ah ouais, c'est parce que tu as faim. C'est que j'ai envie de manger. Non, non, je n'ai pas préparé. Désolée. Moi, je ne pense pas. Non, je sais, tu n'as pas besoin de. Sinon, toi, ça va? Ça va. Je ne me plains pas, je nage dans le bonheur actuellement. Ça se voit, il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé sur toi. N'est-ce pas? Ouais. C'est la gloire de Dieu. En fait, tu te souviens la dernière fois, tu m'as demandé, tu m'as conseillé d'aller voir un pasteur par rapport à un problème de lesbienne et tout. Ouais, je l'ai finalement fait. Wow. Oui, et apparemment, c'était un esprit et tout. Et là, vraiment, j'en suis
délivrée. Je suis délivrée et tout. Et je me sens, ce qui est un peu bizarre, c'est que je me sens vraiment légère. J'ai l'impression d'avoir... Non, frère. Tu as vu une femme, tu n'as plus vu de l'effet et justement, en face de mon afro-shop, il y a une dame là qui me plaisait assez. Mais je sais pas, depuis ce temps, elle me lève, j'ai envie de dire que femme, tu vas ailleurs. Le meilleur, c'est que je me suis reconciliée avec ma famille, ma maman. J'appelle mes sœurs. Le pardon, c'est vraiment la magie, en fait. Je me sens trop bien et heureuse et en paix avec moi. Oh, je suis trop contente. Et tout. Donc, vraiment, merci du conseil. merci du conseil. C'est vrai que j'ai craigné, mais... Non, je l'ai fait. Mais on t'a fait jamais de toutes les façons. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Merci. Oh, vraiment, merci. Gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Tout est grâce. Ouais. Tu ressembles aussi à des gars qu'on peut être en train de marcher comme ça, on nous attaque ici, là tu fuis, tu pars me laisser. Non, t'inquiète. On peut s'asseoir là-bas. Tu es au moins une personne qui apporte beaucoup de lumière dans ma vie et avec toi. Je sens que tu vois le bonheur noir. Tu es ravissant et tu es tout fraîche encore. Merci. Tu es encore tout fraîche. Pourquoi? C'est comme si tu n'es pas contente avec moi. Oui, parce qu'il y a un truc qui manque en fait. Genre, tu es en train d'aller trop vite en besogne. J'ai envie d'aller très vite en besogne avec toi. Donc, ça ne dérange pas. Moi, je peux aller voir tes parents, accélérer les choses. Et ça va se passer comment avec ta femme? Peut-être que ma femme, moi, c'est plus ça, en fait. Peut-être ça dernièrement, qu'avec elle, elle est partie au Cameroun, elle est partie quand elle m'a laissé. À présent, ne t'inquiète pas pour elle. Tu vois que je n'ai pas d'alliance sur moi. Non, tu peux comprendre que les choses ne sont plus comme avant. Toi, tu es là. Non. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de kaolo. Noah, mais t'inquiète, je vais me régaliser. Ah, je vais trouver un boulot et je vais pouvoir me régaliser très vite. T'inquiète, tu n'allais pas pour ça. Tu comprends? Je veux juste être avec toi et rien qu'avec toi. S'il fallait partir voir tes parents, pas les voir. La situation m'a changé, c'est plus une situation éternelle. On va prier ensemble, tu comprends. Mais toi qui viens d'arriver, comment tu connais le type de kaolo, tout ça là? Ça, les trucs qu'on raconte, quand tu entends les Camerounais parler et tout, dans les groupes peut-être, ou bien même à l'école. Tu mais demandes la signification de DJ, je suis camerounaise ou non? Mais c'est pas pour les kaolo que tu vas commencer à mettre. Notre belle relation commence un peu à.
Les gars. Bonsoir. C'est que l'accueil, ça. Dans ma maison. C'est comme ça que tu accueilles ton mari. Quel accueil, comment? Mais viens me débarrasser. Mais je ne sais pas saluer. Viens me débarrasser. Les gars. C'est de toi, hein. À un moment, il faut qu'on s'arrête. Parce que tu n'as pas compris, je vais bien t'expliquer encore. Et ce sera la dernière fois. Voilà. Mets-toi dans ta tête que tu n'es pas ici en divertissement. C'est moi sur ton téléphone là et dormi, je ne sais pas ce que tu fais. Tu es ici pour prendre soin de moi, de mes enfants et de cette maison. Tu me suis? Donc quand je rentre là, tu te lèves, tu m'accueilles, comme ça se doit. Si j'ai faim, tu me fais manger. C'est ça. Si mes habits sont sales, tu les laves. Tu as fini? Oui. Tout toi. Je dois faire ceci. On ne parle que de monsieur Sibou. Ça devait être qui d'autre? Ceci. Ça devait être rien que toi. On n'a que Dieu pour toi. Bien sûr. Et moi? Toi quoi? Qu'est-ce que tu fais de ce que je veux? Avant de demander ce que tu veux, prends d'abord exemple sur ce qu'ils font, ce qu'il faut faire. De ta coupe pour Saint-Dieu. Ah bon? Tu vois comment elle se comporte? Oui, de ma coépouse, Tienche, je dois prendre l'exemple sur elle. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Elle, au moins, c'est travail. Mais où est le rapport? Mes amis travaillent. Oui. Et moi? Je ne suis que la boniche de cette maison. Donc, tu vis encore, ça fait le travail dans cette maison? Mais. Encore le travail ici? C'est quoi ce vacarme, ça? Hein? Mais je ne sais pas ce que vous vous causez ici quand je ne suis pas là. Hein? Les gars. Mais je t'ai déjà dit. Fais-lui comprendre que il n'y a pas plus de deux dans une travail dans la maison. J'ai dit que le thème de travailler dans cette maison, c'est débarquer des aplos. Tu comprends? Tu ne travailleras pas dans cette maison et mon nom est déjà catégorique. Tu me suis? Le nom pour qui? Nom pour qui? Pour toi ou pour moi? J'ai dit tu ne travailleras pas. Pour qui? Pour toi. Pour toi, tu ne dois pas parler comme ça à ton mari, tes gars. Tu te lèves quand tu me parles, n'est-ce pas? Tu ne parles pas comme ça à ton mari. Madame, j'étais épousée, hein. J'étais dotée dignement. Tu m'as épousée. J'ai donné tout ce que tes parents ont voulu. Tu m'as dotée. Oui. Quel genre? Tu me suis? Quel genre de mariage? Et tout qu'on a fait à distance là? Que quoi? Et tout qu'on a fait à distance là? Tu mords de toi-même. Mais tu parles comme ça qui? Oui. Il faut que je te dise. Tu parles comme ça qui? Il faut que je te dise. Laissez-moi. Il faut que je te Parle, tu penses dans quel monde? Tu es dans quel monde? Tu penses que c'est l'époque d'avant où la femme vient avant moi? Oui, je vais te dire! On est dans quel siècle là? C'est au pays. Maintenant, réveille-toi! Tu es habitué à ce pays. Il y a un pays. Il y a un pays. C'est pour toi là-bas. Ferme ta bouche! Je t'ai dit! Ferme ta bouche! Madame, pardon! Hush! Tais-toi! Tu ne peux pas fermer ta bouche! Tu ne peux pas fermer ta bouche! Tu ne peux pas fermer ta bouche! Hein? C'est moi, tu parles. Mais vous parlez, tu parles. Tu comprends toi? Tu vas ton travail? Hush! Ne pas avoir la WC dans la maison, c'est à cause de vous. Mais ça c'est quoi? Mais j'ai un pied pour amener chez moi. Toi aussi! Hein? Tu vois l'agneau dehors, c'est le loup à la maison. Tu parles, c'est quoi ça? Qui m'a fatigué, c'est de trop ça! Tu fais quoi là? Ne t'aime pas bien entrer. Tu es tellement concentré sur ton travail que tu pourrais venir comme ça, je t'enlève et tu ne te ramènes pas. Tu m'enlèves comment ça va me toucher? C'est comment? Comment tu vas? Ça va. Et toi même? Ça va, je suis... Je sais pas pourquoi, je suis tellement content de te voir. Quand je rentre à la maison, je te vois toute souriante, toute belle. Avec ton sourire qui illumine cette maison, quoi. Merci. Tu sais, non, viens pas là. Et qui? C'est bien que tu sois
que tu sois venu dans cette maison. Tu es arrivé vraiment au bon moment. C'est vrai que je t'ai déjà dit, mais je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans toi. Mmh. C'est quoi? Tu es pressé pour aller travailler? J'ai beaucoup de passages à faire, donc. Viens par là, pour le passage. Oh. J'ai mes commentaires. Tu es le sucre du tapioca. Pardon, moi, la parole des otages du village, la sucre du tapioca. En tout cas, je suis content que tu sois là. Merci. Tu sens bon. Merci. Ça t'a passé une belle journée. Oui, toujours. Non. Du coup, tu as remarqué les bricots. Non, c'est une jolie. Pour la dernière fois, d'avoir boudé tout ça. Ah bon? T'as remarqué? C'est pas grave. Et aussi, du coup, je voulais qu'on parle. Tu disais qu'on passe directement avec Sirius. Oui, on va voir. T'inquiète. Je voulais qu'on parle plus sérieusement. Je voulais vraiment qu'on cause. Mm-hmm. Comme de grandes personnes, comme des adultes. On en parle tout le temps, on décline le sujet, on se sépare que de poisson, mais franchement, il faudrait qu'on en parle pour vraiment qu'on cause plus sérieusement. Et comme je t'ai dit, j'ai franchement envie de me caser avec toi. J'ai envie de fonder une famille. Écoute-moi, s'il te plaît. Alors, du coup, je disais, je veux fonder une famille avec toi. Je me projette avec toi. Je veux un avenir avec toi. Tu es tout ce que j'attendais en fait. Actuellement, je suis une femme comblée. J'ai tout ce que je veux dans ma vie. J'ai passé toute ma vie à aller de relation en relation, à me concentrer uniquement sur mon boulot. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai passé toute ma vie à me concentrer sur ma carrière, mon boulot. L'amour, c'était pas mon truc. Et maintenant que j'ai le travail de mes rêves, la promotion de mes rêves, il ne me reste plus que l'homme de mes rêves. Et tu es le prototype parfait de l'homme de mes rêves. Tu es tout ce que j'attendais. Et... Je crois que j'ai été clair avec toi la dernière fois. Je ne suis pas prêt pour des relations sérieuses là maintenant. Je sais que tu m'as dit ça. Et c'est pour ça que je te dis, écoute-moi, regarde, c'est très important ce que je suis en train de te dire. Nous ne sommes plus jeunes. Tu n'es pas si jeune que ça. Je te l'ai dit, je le redis encore. Je ne fais pas les relations inter-bureau. Mais c'est pas un problème. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre que je peux changer de boulot, je peux aller ailleurs, je peux tout faire pour toi, je peux m'améliorer pour toi. Si c'est en fait, le souci, ce n'est pas le bureau. Nous sommes jeunes, je suis jeune. J'ai encore toute ma vie devant moi, je dois m'amuser. Je suis pas prêt, c'est ça le truc. Ce que je te dis, nous ne sommes. Tu n'es pas si jeune. Qu'est-ce que tu entends par je suis jeune? Même étant jeune, on peut fonder une famille, on peut avoir des enfants, on peut faire le tour du monde ensemble, on peut se marier, on peut. C'est compliqué. C'est beau l'amour. Je savais pas à quel point, mais c'est beau l'amour, bébé. Je te jure. Je t'en supplie. Je t'en prie. Pourquoi tu veux tout gâcher? Quand on se voit, on s'amuse là, tout ça ne te plaît pas, ça ne te va juste pas comme ça. Si, mais je veux plus, je veux ça pour l'éternité. Non, je crois en m'invitant ici vraiment, qu'on devait passer du bon moment, que tu avais compris en fait ce qu'on s'est dit la dernière fois. Là, tu gâches tout en fait. S'il te plaît. Non, tu gâches tout, j'ai mieux à faire. Je croyais vraiment passer du bon moment avec toi, mais hélas. S'il te plaît, non. Bébé, reviens s'il te plaît. Non, c'est pas vrai. Pas moi. Donc moi, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je l'ai... Non. Mon téléphone. C'est ça.